Voici une œuvre de l'aquarelliste Li Zefan, peinte en 1950, intitulée « Crépuscule au lac Qingcao ». Cet endroit se situe dans l'est de la ville de Hsinchu, où se rendait souvent l'artiste. Il a peint magnifiquement le ciel crépusculaire et produit l'humidité à la surface du lac. Par ailleurs, on voit clairement le fameux temple Ling Yin Si et sa pagode. Le lac Qingcao reçoit de l'eau de la rivière de Keyashi. L'artiste a peint plusieurs tableaux au bord de cette rivière qu'il fréquentait souvent. Dans cette œuvre, on retrouve la technique de la vie employée souvent par Li Zefan. L'artiste superpose les pigments en s'appuyant sur l'effet d'opacité. En ce qui concerne les couleurs, l'œuvre est dominée par les gammes grises et jaunes. Certes, les couleurs ne sont pas très diversifiées, mais l'association du gris et du jaune produit une ambiance calme et sereine. Voici maintenant un portrait réalisé par Li Zefan en 1952, intitulé Mademoiselle Sun. Le modèle est la fille d'un ami du peintre. La jeune fille pose de manière naturelle les mains sur les cuisses. Le modèle a une posture et une proportion appropriées. En réalité, ce n'est pas facile de peindre les portraits à l'aquarelle. N'appliquant aucun pigment, l'artiste laisse exposer par endroits la couleur originaire du support et crée ainsi le relief, notamment au niveau du visage. L'expression faciale du personnage est bien reproduite. Les couleurs sont peut-être peu variées, mais dégagent une certaine chaleur. Le blanc est employé pour peindre la sculpture en plâtre, mais aussi pour créer des reflets sur le tricot, sur la peau de la jeune fille, ainsi que sur les parties plus élevées de son visage. Cette technique de rehaut peut aussi être observée au niveau des articulations des mains. Nous voyons alors le génie du peintre dans la maîtrise des éléments assez compliqués par une technique plutôt simple. De même, le lieu, une salle de classe du département des beaux-arts de l'école normale de Hsinchu, a aussi été reproduit de façon appropriée. Cette scène fait partie de la vie quotidienne de notre peintre. Voici le dernier tableau que nous allons voir, intitulé « La porte de l'Est de la cité ». Il a été peint en 1981. En réalité, à cette époque-là, Li Zefan n'était plus en bonne santé et ne pouvait pas aller peindre les paysages sur le vif. Ainsi, il a souvent peint les paysages de Hsinchu d'après ses souvenirs. La porte de l'Est de la cité est basée sur ses souvenirs de l'édifice construit au fil du 18e et du 19e siècle. Cette porte est maintenant classée au patrimoine de la ville. Sur la porte figurent deux caractères chinois, Yin Xi, qui signifie accueillir l'aube, suggérant la direction de l'Est. Cette porte est un souvenir commun de beaucoup d'habitants de Hsinchu. Elle disposait de douves. Beaucoup de personnes vivaient aux alentours et s'y rendaient. C'est en restituant sa propre mémoire que Li Zefan a peint ce monument important et son passé. À l'aide de couleurs jaunes et vertes agréables, il a donné au paysage un air lointain à l'aspect intemporel.
Cette œuvre a été sélectionnée par le Musée des Beaux-Arts de Taipei pour figurer sur un timbre. Elle a pu ainsi circuler partout dans le monde.